Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le petit stream du mercredi après-midi, le petit stream habituel, tranquillou entre nous. J'espère que vous allez bien, bon courage à ceux qui nous regardent depuis le boulot, bon repos à ceux qui sont à la maison, et alors bonnes vacances ceux qui sont en vacances, les vacances anticipées. Nous avec PL, on est en vacances à la fin de la semaine, donc voilà, il nous reste encore quelques jours. Mais j'espère que voilà, que vous passerez de très bonnes vacances, que vous passerez de très bonnes fêtes et que vous pourrez d'ailleurs prendre des vacances, hein, pour le coup, lors de ces fêtes de Noël. Comment ça va vous sur le chat? Tranquillou? Bah écoute, ça va très bien, Aromagic, ça va très très bien. Ce matin, j'ai travaillé et j'avais notre petit... je ne sais pas si vous avez suivi le stream de PL hier, mais on a un petit jeune en formation qui fait son stage en entreprise de 3e. Et qui du coup a voulu voir un petit peu les dessous, les coulisses d'une activité de création de contenu, que ce soit youtubeur, streamer et compagnie. Donc on l'a avec nous cette semaine, alors pas tous les jours parce qu'il y a des jours où nous on travaille dans notre travail alimentaire, et il y a aussi les moments où on tourne avec PL et ça n'a aucune valeur pour lui de nous regarder tourner. Mais hier il a passé une moitié de journée chez PL pour faire du montage, des miniatures, et ce matin il a passé toute la matinée avec moi pour monter mon point Metao et s'occuper de tout ce qui est upload, administratif, gestion de la communauté, répondre aux messages. Voilà, on a passé une matinée bien chargée, j'avais pas mal de travail à faire et donc aussi à lui faire faire, et c'était très sympa quoi. Donc j'espère que ça lui a plu. Il reviendra ici et on a pas mal de boulot aussi vendredi après-midi. Normalement, on devrait recevoir un joli colis de notre sponsor Ultimate Guard pour faire un beau giveaway. Donc, on aura une belle photo à prendre, un joli post sur les réseaux sociaux. Donc voilà, lui montrer un petit peu l'envers du décor. Qu'est-ce que c'est une chaîne YouTube? Qu'est-ce que c'est une chaîne Twitch? Qu'est-ce que c'est que tout le côté montage, graphisme et tout qui est plutôt dédié à PL? Qu'est-ce que c'est de tout le côté community management? Répondre aux mails, négocier les opérations, les OPSP par exemple, et le côté gestion de la communauté qui est plutôt lié à mon activité. Et c'est vrai que si moi j'avais été un petit jeune en stage de 3e et que j'avais eu l'occasion d'aller voir l'envers du décor de la création de contenu, même si nous on est des micro-influenceurs, hein, ça n'a pas du tout la même valeur que s'il avait été en stage chez un youtubeur beaucoup plus influent, beaucoup plus important. Mais voilà, je trouve ça intéressant, on est content de pouvoir partager ça avec BL et on espère que ça lui plaira quoi. La transmission c'est génial, ouais c'est toujours très sympa. Donc voilà, on peut présenter notre activité à un petit jeune de 3e qui va faire son stage d'entreprise de 3e chez nous. C'est quand même plus sympa que de le faire. Moi, je sais que j'ai eu un stage d'entreprise en 4e, puis ensuite en 3e, j'ai déménagé à Marseille. Donc, j'ai eu de nouveau un stage d'entreprise parce que le collège à Marseille dans lequel j'allais faisait son stage en 3e, alors que moi, mon collège à Toulon le faisait en 4e. Du coup, j'ai fait deux stages en entreprise. J'ai fait mon premier à la police municipale et franchement, je me suis un peu embêté. Non pas que l'activité des policiers municipaux n'était pas diverse et variée. Au contraire, ils ont pas mal de secteurs et d'activités qui pouvait être pas mal intéressant, notamment avec des secteurs. Alors il y avait des histoires de brigades canines et compagnie qui, moi en tout cas quand j'étais minot, pouvaient être intéressants. Le problème c'est que mon maître de stage n'était pas forcément très participatif, donc j'étais surtout assis à le regarder quoi. Il me faisait une présentation sommaire de ce qui s'y passait et globalement je me suis pas beaucoup amusé lors de mon stage de 4e. Et en 3e j'ai fait un stage chez un vétérinaire pour le coup. Et c'était déjà plus sympa parce que le métier me parlait plus. Mais pareil, j'étais surtout là pour observer. J'étais dans un coin pendant qu'il faisait ses consultations et ses opérations. Et il n'y avait pas vraiment de transmission, si vous voulez. C'était très, très spectateur. Donc je trouve ça sympa de pouvoir justement offrir un... Offrir, c'est un grand mot. Offrir un stage de 3e un peu plus... tu vois, un peu plus fit avec... avec ce qu'un jeune il peut aimer quoi. Le petit jeune qui est avec nous, il consomme du contenu, il consomme du YouTube. Quand ce matin on a monté le point Metao et que je lui expliquais pourquoi je devais faire des cuts et compagnie, il savait, il comprenait, il se dit moi je regarde du contenu sur YouTube, je regarde Squeezie, je sais qu'il y a des cuts tout le temps, il faut enlever tous les mots de liaison entre les phrases, enlever les moments de blanc, enlever les moments de déglutition, enlever les moments où je fais des « Et ça voilà, il était très au fait de tout ça et c'était sympa quoi.
Merci Gantaway pour le Twitch Prime. Est-ce qu'on lui a présenté Magic en passant? Alors, pas plus que ça, parce que c'est pas l'objet de son stage, évidemment. On lui présente surtout qu'est-ce que c'est que la création de contenu, et surtout, qu'est-ce qui se passe derrière une caméra. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on a le temps de tournage et le temps de stream qui nous prend pas mal de temps, mais on a au moins, si ce n'est plus, autant de temps derrière la caméra de travail, pour tout gérer. Et c'est plutôt ça qui était intéressant et pertinent à lui présenter. Quant à Magic, il savait déjà ce que c'était de bruit de couloir, il avait déjà entendu parler du jeu, il sait ce qu'est un TCG, il a déjà joué à Hearthstone, donc il n'est pas forcément fan de Magic, mais il sait ce que c'est, donc on n'était pas là pour lui vendre le jeu, si tu veux, Acolyte Ninja. Non, c'est pas Creep Hunter. Creep Hunter, il est... Est-ce qu'il est plus âgé, Creep Hunter? Je sais pas, quel âge il a, Creep Hunter? Nous, le petit jeune qui était avec nous, il a 15 ans. Là, d'ailleurs, cet après-midi, il est chez PL, il reviendra chez moi vendredi après-midi. Donc voilà, c'était ce que j'ai fait ce matin. Donc au final, c'était quand même pas mal chargé, parce que moi, je me suis levé très tôt pour pouvoir tourner mon point Métao, pour qu'après, on puisse le monter avec le petit jeune. Et puis après, bah forcément, j'ai beaucoup parlé, beaucoup montré, beaucoup expliqué. Petite pause du midi, on est là, quoi. 17 ans maintenant. Ouais, bah alors, ils sont quasiment du même âge, je dirais. Il vous a connu comment, du coup? C'est le fils de notre CPE. Nous, on est assistant d'éducation au lycée. Et donc, il y a plusieurs CPE qui sont en charge de... Bah, du taf de CPE dans le lycée, et l'un d'eux donc est très sympathique. Il nous a demandé si son fils pouvait faire son stage de 3e avec nous, quoi. Il a fallu valider ça auprès du collège, voir si les auto-entrepreneurs ça comptait comme des entreprises, et ça a été accepté. Donc voilà. Combien de temps pour faire une vidéo montage compris, s'il te plaît? Ah ben ça dépend. Avec PL, quand on fait les vidéos, donc qui sont les vidéos où nous sommes à deux, il n'y a pas beaucoup de montage. On colle seulement l'intro et l'outro, parce qu'on a envie d'avoir ce côté un peu stream, naturel, live, où on interagit, on rigole, on est dans le divertissement. On est deux personnes, deux amis qui jouent à Magic, et donc il n'est pas question de faire des cuts. Il n'est pas question de rendre le propos et le dialogue très incisif. Donc le temps de tournage est plus long, mais le temps de montage est beaucoup plus court. Donc du coup, il y a juste à coller l'outro, coller l'intro, le temps d'exportation. Donc ça, c'est divers et varié, ça va de 10 à 20 minutes selon la puissance de ton PC et la longueur de la vidéo. Et après, il y a tout ce qui est l'upload et compagnie que moi, je vais gérer ensuite a posteriori, qui peut prendre, ça peut prendre entre 3, 4, voire 10 minutes, que ce soit pour ajouter des hashtags ou alors pour trouver le titre et compagnie. Donc on va dire que sur une vidéo YouTube classique où on est deux, tu comptes une heure de tournage, peut-être 15 minutes de brainstorming avant pour savoir quel deck tech on va présenter ou quel concept on va faire. En temps de montage, je pense que c'est quasiment, ça prend quasiment aucun temps. PL, par contre, il a un temps de miniature. Je sais pas combien de temps ça lui prend de faire une miniature. Probablement un bon quart d'heure, j'imagine, 20 minutes, je sais pas, ça dépend. Des fois, il a des miniatures qui travaillent beaucoup, ça doit lui prendre beaucoup plus de temps. Des fois, il y a des miniatures qui sont plus simples ou il ne nous intègre pas dans le décor. Mais ça, je pourrais pas répondre à sa place, je sais pas combien de temps ça prend de faire une miniature. Et après, une fois qu'il a exporté et uploadé sur YouTube, c'est moi qui prends en charge, je mets les pubs pour la rémunération sur YouTube, l'upload, le titre et compagnie. Donc, je sais pas, allez, on va dire, on fait un gros package pour une vidéo YouTube, on en a pour 2h, 2h30. Par contre, un point Métao, c'est pas du tout pareil. Le temps de tournage est beaucoup plus court parce que c'est des vidéos de 20 minutes et je dois tourner environ 25 minutes, mais il y a un temps d'écriture avant qui n'est pas que l'on n'a pas lorsqu'on fait une vidéo à deux, où on part juste sur une deck tech, on sait ce qu'on va dire, on sait ce qu'on va présenter et il n'y a pas besoin de l'écrire. Moi, sur un point Métao, j'ai tout un runner que je suis, tout un résumé, donc j'ai entre guillemets le temps de recherche en amont, le temps d'écriture, ensuite j'ai le temps de tournage de 25 minutes et par contre j'ai le temps de montage. Et là, le montage, il est beaucoup plus long parce que je vais devoir cutter et je vais devoir cutter entre 20, 30, 50, 70, 80 fois. Ça dépend le nombre de fois où je fais le nombre de fois où je cherche mes mots, le nombre de fois où je prends une pause, le nombre de fois où je déglutis, et ça, pour le coup, c'est plus long. Pour vous donner un ordre d'idée, ce matin on a mis une heure et demie avec le petit stagiaire pour monter le point Métao de ce matin, et j'ai dû le tourner en 20-25 minutes globalement. Une fois qu'il est tourné, après on upload, on a dû mettre une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. Donc étonnamment, un point news et un point Métao, en fait, ça nous prend beaucoup plus de temps qu'une vidéo à deux quand on fait une deck tech avec PL.
J'espère que j'ai été le plus précis possible, que j'ai répondu à toutes vos questions pour ceux que ça intéressait, pour le coup. Comment ça va, Mr. Jack? Bah écoute, bientôt. J'ai vu que tu continuais à participer un petit peu au tournoi Duel Commander. Et je te vois souvent dans les tops, donc GG à toi, quoi. Tu vas faire quoi de beau pour ce live? Eh ben, on est parti, il suffisait juste que tu le dises. Bam! Oh, salut PL. Bah justement, on parlait de notre petit stagiaire et du montage et compagnie. Hop là, pof! On part directement sur notre liste. Bant Alchemy, on te regarde Val. Ah bah oui, mais c'est vrai, parce que comme je vous l'ai dit, notre petit stagiaire, je donne pas de prénom parce que je sais pas si jamais il a envie de donner son prénom ou garder vraiment un anonymat total, donc je me permettrai pas sans son accord de divulguer son prénom. Mais voilà, notre petit stagiaire ce matin qui était chez moi, cet après-midi est chez PL, donc big up à eux qui sont sur le chat. On va mettre le score à jour. Enfin, mettre le score à jour, débuter le score. Hop là. Bant Alchemy. Hop là. Et bonjour aux stagiaires. Ouais, c'est un stage en entreprise, hein. On n'a pas de stagiaire à long terme pour ceux qui viendraient d'arriver. C'est un stage en entreprise, le stage de 3e que vous avez à effectuer au collège, que tout le monde a effectué. Et voilà, et c'est plutôt cool. Ok, donc Bant Alchemy. Petite decklist que je vous ai déjà plus ou moins présentée, il me semble. Je sais pas si j'avais joué. Non, j'ai jamais joué ça en live, pardi. Qu'est-ce que je raconte? Par contre, j'ai tweeté sur cette liste-là. Ça m'a permis de passer diamant. Je l'ai pas mal modifié depuis. Et là, on va partir sur le ladder. Le but, c'est de passer mythique. Let's go. C'est quoi, 8 semaines? Non, le stage en entreprise. Tu rigoles, c'est une semaine, Oumpaf. Quel enfer cette carte? Bah elle est cool, mais elle est probablement un peu trop forte, ouais, commandant Poporte. Y a-t-il un Grul loup-garou qui marche en alchimie? Je pense que c'est jouable, Oumpaf, mais si tu me demandes si c'est fort, la réponse c'est probablement non. Moi c'était seulement 3 jours. Là, pour le coup, on a le stagiaire sur découpé sur toute une semaine, mais comme on a des temps de présence, nous, avec notre taf alimentaire avec PL, et des moments où on doit se voir pour tourner... On va pas demander au petit stagiaire de venir nous regarder tourner, c'est pas très intéressant pour lui. Du coup, on le voit 2 jours pleins, en fait. 2 jours sur les 5 jours. Parce qu'il y a 2 jours où on est au taf, notre taf alimentaire, pas notre taf lié à la chaîne. Et après, on a aussi un jour complet où on prend le temps de tourner nos vidéos, plus le fait qu'on doit streamer et compagnie. Donc voilà, j'ai notre petit stagiaire une matinée et une après-midi, et PL l'aura eu 2 après-midi. Platoudiam, je sais pas, Oumpa, faudrait essayer. Je suis pas persuadé que ça soit une très bonne alternative, pour être honnête. Ok, on joue évidemment contre Claire, c'est le deck le plus représenté. Enfin, un des decks les plus représentés. Je sais pas si c'est le plus représenté, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Si on reste posture valeureuse up mais qui descend pas une Valkyrie, on aura l'air malin. Ouais, en BO1 ça a pas tant de... Ça a un peu moins de valeur, c'est pas tout à fait pareil. Je sais pas. Déjà, je connais pas son elo, donc tu vois, ça raconte pas grand chose sur la pertinence de son deck. On connaît pas son winrate au global, parce que tu peux passer mythique en BO1 en ayant un winrate de 53%, tu vois. Ah non, c'est pas passé mythique, il a fait 7-0 en mythique, mais en BO1. Ouais, je connais assez mal le BO1, donc je sais pas trop quelle importance y accorder.
Et là, je vois sur le chat, vous vous posez plein de questions sur les decklists, sur l'alchimie et tout. J'ai tourné un point Métao ce matin et il est très complet. Ça présente toutes les versions des decks alchimie qui sont reprises du standard. Donc tous vos decks de standard adaptés en alchimie. Et ça prend aussi tous les decks alchimie qui sont populaires sur le ladder. Je décrypte tout ça, je vous propose plein de decklists. Ça sort demain soir à 17h. Ça sera plus simple que vous regardiez le point Métao plutôt que de tout vous expliquer maintenant. Tu verras typiquement Romagic que oui, Mono Black Sacrifice, ça reste une option, mais qu'il a une tournure tout à fait différente de celle qu'on a pu présenter lors de nos streams et celle que l'on va présenter dans la vidéo de ce soir à 17h. Quoique non, je dis des bêtises. La vidéo de ce soir à 17h... Non, c'est ça, c'est bien Mono Black Sacrifice ce soir. Il restera qu'une journée pour l'Event Alchemy. Après, Romagic, ceux qui nous ont suivis en stream, ils savent. Ils savent ce qui est bien à jouer, tu vois. Bon, j'ai pas de land, on va la concéder. Hein. On peut pas jouer à Magic quand on pioche pas de mana. Mais voilà, j'ai vraiment fait un point Métao qui essaye d'être le plus complet possible. On parle aussi un peu de standard et d'historique, notamment pour avoir les winrate matrix de l'Innistrad Championship. Mais globalement, même pour ceux qui veulent participer au tournoi Valet PL, au moins, vous savez quoi jouer. Vous saurez quoi jouer. Ouais, c'est clair, viennois. Ah, ça y est, mon voisin décide de refaire des travaux, comme tout le temps en fait. C'est insupportable, hein. Franchement, on n'est jamais tranquille. Ouais, elle est un peu... elle est un peu catchy cette main, quoi. Un peu chelou, mais... Ouais, j'espère que vous entendrez pas. Là, pour l'instant, il s'est arrêté, mais si jamais il venait à repercer, j'espère que ça va pas vous gâcher le stream. T'habites avec Boa. Non, mais je crois que en ce moment, tous les créateurs de contenu ont des voisins qui percent. C'est un truc de fou. Genre, chez PL aussi, c'est une catastrophe. Ça me va de trade avec ce clair du lien de vitalité. Ok, nice. On va pas trop s'emmerder et juste faire une captaine ici. Ouais. Là, on est plutôt armé. On a ça pour gérer le 2-4, trop problématique. Encore un Qatar pour gérer une bonne bête. On a pas mal de patates sur le board. On devrait pouvoir battre ce qu'il fait, à moins qu'il ait vraiment de multiples inquisitrices. C'est bizarre qu'il ait pas voulu trade mon loup. Ok, il en a peut-être une deuxième de captain. Je pense que là, qu'importe ce qu'il trouve, il devrait perdre. Ah, c'est un truc de fou, Sfax. C'est à se demander s'ils ne font pas ça, ouais. Alors, salut Ulgog, je pense que tu es un joli bot.
sais pas s'il y a des modos. C'est un bot ou c'est un message troll? Si c'est un message troll, ça prend time out. Oui, moi, robot. Ah non, c'est un troll. Ok. Comment on fait pour Théo, les gens? Non, c'est une blague. Ok. Ouais, fais attention, Ulgog, parce qu'en fait, là, sur le stream, il y a peut-être des gens qui sont pas adultes, qui sont mineurs. Il est 14h18, tu vois, il est pas 22h. Donc, les blagues un peu cocasses, il y a peut-être des gens qui peuvent... pas comprendre ou se demander de quoi tu parles, tu vois. J'espère que vous entendez pas le voisin qui tape, hein. Salut Fedjeon. Salut Escro Babar. La recherche Google qui ferait mal. Non, mais c'est vrai, on rigole, mais y a des fois, il y a des enfants qui regardent, tu vois, donc... ouais, les blagues... Les blagues un peu salaces, on les fait pendant les castes, à partir de minuit, ça pose pas trop de problème, quoi. S'ajoute un layer de musique dans le fond, c'est pas mal. Je te remercie, Yoki Elka. Je suis vraiment désolé que mon voisin se mette à taper maintenant. C'est une catastrophe. Mais moi, ils sont en travaux depuis... Ça fait un an et demi que les voisins sont en travaux. Et je pense qu'il se passe le mot. Dès qu'il y en a un qui a fini, il donne le départ à l'autre, en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingo. On va pas s'aider différemment. Il n'y a pas de dynamique play draw dans ce match-up. On veut juste trouver toutes les interactions qu'on a. Ouais, bah tant mieux si vous entendez pas trop. Waouh, une main à Sealand, ça pue, hein. Ça pue. Je crois qu'on va la mulligan. En plus, c'est une carte qu'on peut même pas copier, Talia, quoi. Donc ça allait pas du tout. On va faire comme ça. Aïe, 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 Fizune. Bah écoute, j'espère que tu prends du plaisir au moins. Et désolé pour ton portefeuille et pour ton temps. Mais est-ce qu'il y a un Discord FR? S'il y en a un, je le connais pas, Fizune. Donc je pourrais malheureusement pas t'aider. Je connais le Discord des cartes maniaques, mais je peux pas te dropper le lien, je sais pas où le trouver. Mais voilà, moi c'est le Discord sur lequel je suis, cartes maniaques. Ils ont une chaîne Twitch, tu peux peut-être aller voir s'il n'y a pas un lien dans leur panel en dessous de leur chaîne. Ça pourra peut-être t'aider et là-bas tu devrais trouver des gens qui peuvent t'aider. Quelle couleur on veut ici? On va vouloir du blanc, je pense. Un maximum de blanc, ouais. Et on va appliquer le regard 1. Moi, ouais, je peux garder ça. Aïe, 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 Fizune. Ah ouais, non, mais toi aussi, t'es multi-TCG. D'accord. Ah bah oui, t'es dans la merde. Effectivement. C'est Lucas Long. Ok, ça faut gérer et vite, ça peut vite dégénérer. Bref, j'ai pas mis les stops correctement, donc il peut largement déduire qu'il y a un voile en peau de serpent dans ma main, mais bon. C'est pas grave.
On aura pris Captain, Inquisitrice T4 à chaque game. Hein. C'est le talent de l'adversaire. Ouais, c'est ça, ouais. Lui, il va avoir des versets disparaissants aussi, Kalong. Pas encore fini, mais on n'est pas très bien ici. Hein. Ok. Double prédicatrice, ça c'est acceptable. Est-ce que je suis pas un petit peu dans la sauce ici? Ah, ils sont forts les clercs, hein. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Notre oppo nous a fait juste les meilleures sorties. En fait, il a réussi à résoudre des capitaines alors que nous, on n'a pas réussi. C'est fini, oui? Non, mais sans déconner. Attends, on s'entend même plus ici. Ah, tu fais plaisir, Pépi. Bah écoute, j'espère que ça va te réussir. Ah, j'espère que ça va te réussir. N'oubliez pas, il reste encore des places pour le tournoi Valley PL. Hein. Je crois qu'on est un truc comme 90 à l'heure actuelle. Il reste 2 jours pour s'inscrire. Donc il reste quoi? Une trentaine de places. Voilà, si jamais vous voulez vous inscrire, c'est maintenant quoi. Est-ce que mon deck Bant est adaptable en standard? Ouais, c'était surtout mon deck Bant de standard qui a été adapté en historique, Master of Disaster. Le truc, c'est que pour jouer en standard, tu voudras pas l'interaction avec Captain parce qu'elle n'existe pas. Donc du coup, tu ne voudras pas de Glass Pool Mimic. Je te montre. Ça donne un truc comme ça. Je te laisse mettre un... faire un screen si jamais tu veux ma liste de Bant en standard. Ouais, c'est en format alchémie le tournoi, bien sûr, la vieille poche. Mais tu peux recycler tes listes de standards en alchémie, ça reste tout à fait fonctionnel. Et en plus, j'ai un point métao qui sort demain à 17h et qui vous permet du coup de faire la transition naturellement. J'ai pas trouvé le Discord des Maniacs malgré le Twitch et le YouTube, donc si quelqu'un connaît le nom du serveur, je suis preneur, merci. Attends, je vais aller checker ça. Peut-être que je peux inviter des gens directement sur ce serveur. Je sais même pas s'ils sont très actifs dessus encore, mais bon. Ah, je peux pas inviter les gens, évidemment. Nope, nope, nope.
Glass pool, tac, tac. Ouais, c'est Kips, hein. Ouais, je comprends. C'est ce qui va être difficile justement, c'est de trouver la meilleure liste BO3 pour le tournoi, c'est-à-dire avoir un side qui est capable de s'adapter un petit peu à tout ce qui va se passer. Mais je vous fais confiance, vous allez réussir. Si jamais vous savez pas quoi jouer, c'est super important. Dans un format qui est divers, varié, vaste, avec une méta qui est pas définie, ne cherchez pas à vous adapter à tout, mais jouez des decks assez puissants pour que ça soit aux adversaires de s'adapter à ce que vous faites. Dans un méta flou, où tu peux pas méta call, où tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer, il vaut mieux que ça soit ton adversaire qui réagisse à ce que tu fais plutôt que l'inverse. Donc pensez à des decks un peu linéaires, pas mal proactifs, des trucs assez puissants, ça peut le faire. Ou alors adaptez vos decks de standard, un truc comme Izzet, ça s'adapte à tous les decks naturellement par exemple. Dans le doute, elle m'a dit que je jouais mono red. C'est un peu... un vrai conseil de début de format, si tu veux. C'est un truc de fou comme je ne piocherai putain de jamais mes landes, quoi. Mais jamais, hein. Gitrog. Alors ça fait quoi? Tu serais parti sur quoi, Val, si tu avais dû jouer le tournoi? Je serais parti sur un deck Inquisitrice, Captain Inquisitrice Mimique de Myrlak. Probablement sur ce deck-là, c'est mon deck en ce moment, celui que je teste, que j'essaye d'affiner. Donc si j'avais voulu me faire plaisir, je serais parti sur ça. Si j'avais voulu gagner le tournoi, j'aurais probablement pris un IZ de standard et je l'aurais adapté. Je pense. Mais je sais pas ce qu'il joue le poulet, donc... je vais... Oh, il a quand même une mana base verte, neigeuse, il doit jouer du coup... Mono vert neigeux, splash noir pour Gitrog. Je perds pas grand chose à rentrer des apparitions, je pense. Des IZ, j'en vois pas dans le ladder. Ils sont au sommet du mythique, Pépi, je pense. Il y a beaucoup de gens qui ont farmé dès la sortie d'Alchemy pour justement tous farmer un peu les gens qui testaient des trucs. Donc il y a beaucoup de deck control en top mythique. Que ce soit des Azorius, des Izzet, des decks mono noir aussi, mono noir neigeux, qui s'applique très très bien à l'Alchemy avec les nouvelles cartes. Comme le Blood Artist en enchantement là, c'est vraiment très fort. Salut Dingus, comment il va? Lancelot. Ben ça va super. Et toi, comment ça va? Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'avoue, je suis pas en mythique encore. Je te rassure, moi non plus, Pépi. Mais je pense que Izzet est un vrai bon deck. En fait, en ce moment, les gens, ils testent des trucs. Ils jouent pas le meilleur deck. Ils testent des trucs. C'est ça qu'il faut se souvenir. Ok, non, il joue vert noir neigeux, mais du coup, avec un plan de jeu un peu rampiche. Oh, Ishkana, j'adore. Très belle carte, très bonne carte. Ça fait partie des cartes qui font plaisir, ça. Hmm.
pour l'instant, il a rien à en faire de cette chicana. Je veux bien le ralentir un peu en attendant. Tu peux nous rappeler comment s'inscrire? Mais bien sûr, la vieille pêche. Poche, pardon. La vieille pêche, c'est pareil en fait. Hein. Point exclamation tournoi. Toutes les informations te seront données sur ce fabuleux Discord tenu par Clauduple. Gros big up à lui, le boss. Ok, ouais, il a vraiment une stratégie rampish. Ok, intéressant, Pépi. Je sais qu'il y a des versions mono noir qui jouent. Ah, il a été chercher un Vrenen 7 ici pour 5 mana, c'est un peu relou. Des versions mono noir qui splash rouge, pardon, qui sont pas des jeux et qui splash rouge pour Immersoon Predator par exemple. Ça a l'air plutôt sympa. Est-ce que je double bloc? Ah bah non, je suis con. Ça ne la tue pas le double bloc. Ouais, j'ai quand même envie de tuer Ishkana maintenant. Avant qu'elle puisse faire un peu de value. Predator en side, ok, bah je comprends Pépi, en vrai c'est pas idiot du tout, ça te permet aussi d'avoir accès à Kalain si tu veux t'accélérer, t'as le droit de jouer Valky de manière très simple, sans avoir forcément besoin de passer par tes trésors, donc pourquoi pas, je pense que c'est fine. Non, on passe plus par Challonge, c'est bon, il fallait sacrifier des gens au dieu Challonge, Kalong c'était trop compliqué, Challonge était beaucoup trop demandant. Salut Clauduple, comment ça va? Ça se passe bien le tournoi, le Discord tient, t'as pas trop de questions, pas trop de boulot. N'hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit. Je suis dans les parages. Challonge le plaisir. En vrai, c'était rigolo. Il y avait vraiment une... C'était Squid Game avant l'heure, on en parlait avec PL lors du Rossez-vous. C'était vraiment genre le dernier de chaque ronde, et il était éliminé en fait. Il n'y avait pas de... Il fallait un quota de sacrifice quoi. Franchement, c'est ok. T'es pas en galère? Bon, ça va alors. Si à la moindre galère, tu me fais signe. Je passe voir un petit peu ce qui s'y passe et tout, mais... Et voilà, si jamais t'as besoin. C'est les Snout Master. Ouais, avec un splash Glace Pool Mimic, Jérém Court. Les gens savent pas lire, mais c'est pas la mort. Bah ça c'est normal, hein. T'as beau mettre toutes les informations, en fait les gens ils vont pas cliquer dans les salons, ils voient directement une taverne et ils posent leurs questions dedans quoi. Si c'est la merde, je te traîne dedans. J'arrive, t'inquiète. Ok, forcément il y avait LOL qui devait arriver à un moment. Je crois qu'on va essayer de chatter à la capitaine. Et il va pouvoir refaire des... C'est vraiment... L'Old, c'est vraiment genre... Mais vraiment... Un enfer. L'Old, c'est une carte... Elle me frustre beaucoup. J'avais un problème avec Umbercliff dans le dernier standard. Je sais pas si j'ai pas un problème avec L'Old dans ce standard-là, quoi. C'est déjà tellement dur.
tellement dur de jouer des jeux créatures avec la surreprésentation des bons decks IZ qui ont plein de très bons removal. Mais en plus, quand t'arrives à jouer des jeux créatures parce qu'on te met des créatures intéressantes, t'as putain de l'ult qui vient te... Bah juste te dire en mode, mais ça sert à rien de jouer des bêtes, Val. Vraiment un enfer. Très... Genre mentalement, affronter l'ult, c'est... redondant, en fait. C'est vraiment genre giga, giga casse-burn, je trouve. Ouais. C'est pas mal parce que ça arrive avant l'ult, ça buff tes araignées. C'est pas dégueu comme, comme synergie. Hein. L'ult, c'est ciao. Ouais, bah tu peux la contrer quoi. Mais je vais rentrer des bottes dédaigneuses maintenant que je connais son deck. Genre là, si on perd cette game, en game 3, on aura de quoi se battre. Blood on the Snow et Pierre, tu trouves? Ouais. C'est kiff-kiff. Je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, il joue un deck araignée, visiblement, ouais. Si ça l'amuse, allez, admettons, amusons-nous. Les decks clairs sont très forts en alchimique en Foust, hein, et ça m'arrache la gueule de le dire, vraiment. Bah ouais, c'est un peu ça, Wumpaf. C'est-à-dire que dès que tu veux jouer un deck créature, faut que tu passes en dessous de mono noir et en dessous de Izet, c'est frustrant quoi, tu vois, moi j'ai envie de jouer des bêtes de deck midrange comme cette captain, ça me frustre en fait. Je crois que c'est ça, c'est que ça me frustre un peu. Y'a quoi à drafter dans le spellbook d'Ishkana? Y'a que des araignées, Pachichi. Des araignées diverses et variées, ça peut être des 2-4 portées pour 3. Tu peux avoir une grosse araignée pour 7 mana. C'est des araignées. Passer en dessous, c'est quoi? Tu es tour 4, tour 5? Ouais, c'est ça, ouais. Boum, paf. Bah voilà, il a drafté. Putain, genre. Il a fallu qu'il drafte celle-là, quoi. Bah il a drafté une grosse araignée. C'est ça, ouais. Passer en dessous, c'est essayer de tuer avant que ton adversaire stabilise. Passer au-dessus, ça serait être capable de le grinder, par exemple. Et on n'en est pas capable, pour l'instant. Ces decks-là sont ingrindables, quoi. L'ult, c'est... Ouais, c'est ingrindable. Et il a fallu qu'il ait la plus grosse araignée pour que j'ai pas le droit d'attaquer. Je l'allume sévère. Moi je l'allume pas, il vient de stabiliser là mon oppo. Il est bien là, il est frais, hein, il est doux. Il est en vacances mon adversaire, Dr. Cross. Ouais, moi aussi la synergie elle est cool, Jean-Mi, hein. Effectivement, c'est très rigolo, ça se curve juste avant, ça vient naturellement avant l'ult et tout. Hein. Y a pas de souci, mais... Mais putain, le gameplay que ça offre, ça me fait pas kiffer de fou, quoi. L'ult démolit aggro. Ah ouais, mais c'est... En fait, c'est...
Tu peux te faire démolir par une carte, mais tu vas jouer à Magic, tu vas interagir, tu vas pouvoir te défendre, tu vas avoir une sensation d'avoir le, d'avoir quand même un impact. Quand tu prends l'ult en étant un joueur d'aggro, tu te fais aplatir. T'as même pas, ça te laisse même pas penser que tu peux gagner la game, tu vois. C'est trop obvious, c'est ça que je trouve ça dur, c'est ça que je trouve dur avec l'ult pour le coup. Ouais, exactement, magnitude 2. Bon, il fait quoi le poulet là? Il met 1000 ans à drafter dans son spellbook. Pardonnez-moi, je baille. Allez, Dr. Cross, il est moment de choisir l'araignée dans ton spellbook. Eh ben, on n'en sait rien, magnitude 2, mais... Mais il se laisse le droit d'eux, en tout cas. S'il doit y avoir up and nerf, ils le feront. Pour être plus clair, pour répondre plus clairement à la question. Ouais, il a sûrement déco. Pourquoi il a déco en plus? Il est pas si mal dans cette game là. Après Cat and Dit, le draft est fort pour le niveau standard, je suis d'accord. Les spellbooks sont plutôt forts. Cela dit, les cartes draftables sont pas toujours très puissantes. Genre là, dans les araignées d'Ishkana, il n'était pas obligé d'avoir la, la 5... c'est quoi? Ouais, c'est une 5-7 pour 7. Bon, tu vois, t'as aussi des araignées qui sont 2-2 pour 3, tu vois. C'est pas un peu vain d'essayer de balancer Magic? Non, je trouve ça cool, moi, justement, d'essayer de t'adapter au format numérique de ton jeu. Je trouve ça sympa. Même si c'est 20, pourquoi ne pas essayer quelque part? Ça sera jamais balance, puisque c'est, Magic est une énorme équation, un énorme puzzle, un énorme problème. Et donc forcément, il y a une résolution, et la résolution, elle passe par la découverte d'un meilleur deck. Il y a toujours un meilleur deck, toujours un deck qui est mieux que les autres. Mais si jamais tu le modifies très régulièrement, ce meilleur deck, si jamais on passe notre vie à trouver un meilleur deck, le nerfer, en trouver un autre, est-ce que ça... ne s'inscrit pas un peu plus dans la continuité d'un jeu numérique avec des patchs saison après saison? Et c'est ce qu'essaye de faire à Magic Arena avec l'alchimie. Mais pour le coup, en Magic Papier, les gens continueront à jouer dans des formats qui sont plus ou moins balance, mais qui ne subiront pas de up et de nerf, quoi. Mais je comprends le côté un peu vain d'essayer de balancer un jeu qui ne peut pas être balancé parce que c'est des maths et qu'à la fin, il y a un résultat. J'en comprends même la philosophie, si tu veux, du gommier. Mais je trouve que pour Arena, c'est sympa d'essayer. En fait, c'est pas balance, surtout. C'est surtout modifier, abolir ce qui est trop puissant, le temps qu'on trouve la nouvelle chose plus puissante. Et donc, ça te donne une dynamique où on est toujours en recherche de nouveaux decks. Je trouve ça cool, quelque part. Qu'est-ce qu'elle raconte cette main? Elle raconte qu'elle est fine. On va la garder. Ouais, c'est un peu ça, Fizune, t'as raison. Ouais, je suis d'accord avec toi, Fizune. Il y a eu de très très bons nerfs pour l'alchimie. Et d'ailleurs, Izette, la plupart des decks Izette ou ne jouent plus Alron d'Épiphanie en alchimie, ou alors en joue une toute petite quantité. Ça prouve que le nerf a eu son utilité. Par contre, ça prouve aussi que le problème, c'est pas tant Alron d'Épiphanie, mais c'est la profondeur de carte qu'a la bicolorité Izette. Je crois que j'ai envie d'aller y mettre une petite prédicatrice, histoire juste d'avancer dans mon game plan. Ouais, je suis entièrement d'accord, Fidonné.
C'est exactement ça, du gommier. C'est bien parce que vous arrivez à mettre des phrases beaucoup plus fit, en tout cas beaucoup plus résumées, sur des idées que j'essaye d'exprimer à l'oral. Et c'est ça, en fait, ça leur permet de renouveler sans cesse leur expérience plutôt que d'attendre la sortie de chaque extension. Et ça, tu peux pas le faire sur du standard normal à cause du Magic Papier, parce que renouveler sans cesse l'expérience du papier, ça veut dire s'attaquer très très fort au portefeuille des gens qui consomment des cartes papier, et ils préfèrent largement s'attaquer au portefeuille des gens qui jouent sur Arena, parce que le jeu coûte quand même globalement moins cher, pour le coup. Mais c'est exactement ça. Et en vrai, la proposition, l'idée, je la valorise, je la valide, elle est bien cette idée d'essayer de s'adapter un format Arena, un format numérique. Je suis pas un grand fan, je pense que je préférerais toujours le Magic Papier, le format standard, le format pionnier, le moderne. Je suis pas un énorme fan des cartes Digital Only, et si on m'avait dit que ces cartes-là avaient intégré le standard et que Magic devenait un jeu numérique, j'aurais hurlé au scandale. Mais dans la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire dissocié du Magic qu'on connaît, je trouve que c'est... ils ont raison d'essayer, en tout cas. C'est quoi la carte alchimie la plus forte pour toi? Je pense que c'est la Captain Inquisitrice, V vers la Street. J'ai bottom un land et j'ai draw 3 landes, c'est ça? Genre c'est ça ma vie quoi? Je suis condamné à subir ça à chaque game que j'essaye de streamer? C'est dur hein, je vais pas tenir moi. Alors je pense que Clé des Archives c'est un chouïa overrated. C'est pas mal, hein, c'est pas mauvais, j'aime bien la carte. Mais c'est peut-être un chouïa overrated, c'est très synergique avec Teferi. Mais au-delà de ça, je suis pas sûr que ça soit en mode un staple insane dans tous les decks. Alors que Captain Inquisitrice, c'est quand même le build around de toutes les bi ou tricolorités qui jouent des créatures, quoi. Donc, putain, ils jouent tous LOL, quoi, j'en peux plus. Oh, mais hey, HEY, est-ce que c'est pas un joueur connu? Là, vous, là, les tryharders dans le chat, si vous êtes au courant, dites-moi. 4 landes d'affilée. Non, je confonds pas avec Huey. Je sais très bien qui est Huey, c'est William Jensen. Non, non, je parle bien de HEY. Non, non, c'est pas non plus Huey. Vous me prenez pour un lapin de 6 semaines, quoi, sans déconner. Vous croyez que je connais pas William Jensen? Aïe, 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 aïe. Non, non, HEY, je sais pas si c'est pas un... Ça me parle. Genre un joueur de la Checkhouse ou... Le pseudo d'un mec comme Ivan Flock ou un truc comme ça. Lancelot, trop vénère. Il est beau le petit badge à côté de ton nom, Lancelot. Est-ce qu'il te fait pas un peu kiffer au max, non? Ce petit badge. Moi, je le trouve très esthétique. Ok.
Ah, je sais que t'aimes le pouvoir, Lancelot. Ça ne m'étonne pas. C'est comme un insigne, une espèce de titre de noblesse, tu vois? Je le garde mon truc ou pas? Ah non, mais dans tous les cas, je le garde pas, donc Osef. Paye 3 PV. C'est non! J'aurais peut-être dû Talia en main phase 1, parce que là, s'il a double spell, je vais le regretter. Tu fais partie de la plèbe, mais tu es un proche de Lancelot, du coup, Clodupe. Je sais très bien ce qu'il veut faire son deck et j'ai vraiment envie de gagner la game 1 parce qu'on va en chier pour gagner la. Pour gagner la. La game 2 et 3. D'ailleurs, j'ai pas mis le score à jour, on est à 1 partout. Ah bah non, évidemment pas. Évidemment que tu parles pas de ça, Lancelot, quelle question. C'est plutôt un joueur de MTGO? Ok. Mais ça me parle ce pseudo, écoute. Je sais pas nécessairement d'où, mais ça me parle. Pour ceux qui étaient là, d'ailleurs, à la dernière Mativale, on parlait pas mal de. Oh le relou! Putain, mais quelle catastrophe, quoi! On se fait dérouler là. Hein. Trop relou. Bref, on parlait de boîtier. De boîtier pour appareil photo, donc boîtier objectif et compagnie. Je vous disais que j'allais investir, que ça me chauffait et tout. Et ça y est, j'ai fait mon choix. J'ai trouvé. Non, j'ai pas mis l'overlay, je vais le mettre, viennois. J'ai trouvé mon appareil photo, j'ai trouvé le boîtier, j'ai trouvé l'objectif. Et ça devrait arriver là dans les jours qui arrivent. Donc, gros upgrade visuel bientôt sur la chaîne. Je remettrai en place du coup. Pardon, toutes mes scènes pour avoir un meilleur cadrage, peut-être un angle différent. Voilà, je vais essayer de faire un truc sympa, avoir une scène aussi de plein écran avec seulement moi et mon décor. Et donc ça me permettra de pouvoir faire plus de choses que j'étais pas capable de faire. Même peut-être il y avait des gens qui me demandaient un room tour. Je vais pouvoir maintenant le faire probablement. Donc je pense que ça va être cool, j'espère en tout cas. J'ai très hâte de recevoir tout ça. Ça va être dur là, hein. Ça va être très très dur à battre ça. Ok, on continue à le bourrer tranquillou. Hein. Voilà, aujourd'hui j'ai reçu l'objectif. Je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu en audiovisuel sur le chat. Moi j'étais totalement néophyte, j'y connaissais rien du tout. Je connaissais même pas l'ordre de prix, l'ordre de grandeur, l'ordre. Je savais même pas combien ça allait me coûter avant de m'intéresser à tout ça. Au final, spoiler, ça coûte cher.
Et j'ai reçu mon objectif aujourd'hui. Alors j'ai pas encore le boîtier, donc ce qui est censé faire l'appareil photo, le truc avec le déclencheur, le capteur et compagnie. Mais j'ai l'objectif qui arrive. Ouais, mais là on se fait juste démolir en fait. Genre on n'a pas l'inévitabilité avec son deck. Je pense qu'on est. On prend 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Je suis obligé de bloquer là. T'as pris quoi comme boîtier? J'ai pris le Sony ZVE10. Je sais pas si tu le connais, Denim 24. Mais il est globalement très polyvalent et avait l'air de faire consensus parmi les créateurs de contenu. Donc voilà, c'est un boîtier qui va pouvoir me donner une belle image pour le stream, pour les vidéos, notamment pour les points météo, mais qui peut servir aussi de vlog si un jour la situation sanitaire nous permet de bouger, faire des GP, rencontrer notre communauté. Donc, bah non, pas de chichi, parce que en fait, il se trouve que quand tu es créateur de contenu, tu veux sans cesse améliorer la qualité de ce que tu proposes. Et il se trouve que je prends pas cet appareil photo seulement pour streamer. Même si déjà un upgrade visuel, bah, c'est attendu, quoi. Pourquoi ne pas le faire? J'ai un joli décor, donc pourquoi pas upgrader visuellement tout ça? Mais ça me permet surtout bah, de faire du vlog, de faire aussi des choses en stream que je pouvais pas faire avant. Donc non, je pense que c'est un upgrade naturel. Je pensais que le plus important c'était surtout le son. Ouais, mais est-ce que mon son, tu penses qu'il est pas bien? Qu'est-ce que je peux cutter? Ça, c'est dur d'avoir du board contre ce deck-là. Je peux enlever un maître chasseur. Ok. Non, mais voilà, du coup, si le son il est déjà de bonne facture, eh ben, tant qu'à faire, autant rajouter une qualité d'image. Voilà, moi ça me permettra vraiment de mettre mes scènes différemment, d'avoir un angle différent, de pouvoir faire des choses que je pouvais pas faire avant. Donc c'est, je trouve ça cool. Je trouve ça important même de pas rester dans. C'est un truc que j'ai vite tendance à faire, quoi, rester dans ma zone de confort. Mais en fait non, tu vois, c'est bien aussi d'upgrader ton matos, de t'ouvrir le champ des possibles, tu vois. On va commencer à mettre la pression avec Prédicatrice. Là, le but, ça va être de passer en dessous, d'essayer de retarder au maximum l'ult et de rentrer les dégâts avant. Il faut qu'on trouve nos bottes dédaigneuses, faut qu'on trouve nos Redan, faut qu'on trouve nos Talia, faut qu'on trouve toutes ces cartes-là qui impactent fort son game plan. Pour l'instant, malheureusement, c'est pas le cas. Ça fait super mal de rentrer dans Jewelry Disruption. Hein. C'est piquant. C'est très piquant. Ok.
Ouais, si on n'avait pas pris Jewelry Disruption, on était pas mal parce qu'on était capable d'aller chercher le Captain Inquisitrice dans notre side et le tour d'après de le copier avec un Mimic de Mirlac et ça faisait probablement trop de board pour qu'il arrive à stabiliser avant de mourir. Mais là, après avoir pris ça, c'est un peu complexe, je pense. J'ai aucune carte de taxe, j'ai ni Elite Spellbinder, ni Redan, ni Talia, qui sont quand même une grosse majorité des cartes de mon paquet. Et malheureusement, sans ça, je vais avoir beaucoup de mal, quoi. Ok, pour avoir de kill. Et là, si je prends mana Lolt, c'est fini, quoi. Ouais, je suis d'accord, Kalong, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On va vouloir un peu de vert, je pense. Non, du blanc, on a plus de blanc, ouais. Ça va être très difficile. Ça, c'est une decklist qu'on peut retrouver assez facilement d'ailleurs en standard pour le coup. Deck d'Ymir avec les envoûteuses de tourbejon. C'était pas un deck très puissant du standard, mais c'est un deck qui existe. Mais putain, mais pourquoi je pioche que mes apparitions, quoi? Elles sont mes cartes de taxe. Ouais, l'overlay reconnaît pas les cartes alchimie. Je sais pas pourquoi, Viennois, je suis désolé. Il a tout, lui, hein. Non mais please, laisse-moi vivre. Imaginons tu mimiques sur un manland, est-ce que ça devient un land après? C'est une vraie question, Viennois, je n'ai pas la réponse. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne pioche que des cartes qui me sont totalement inutiles. Que puis-je faire? Visiblement mon adversaire aussi. Oh, il doit avoir plein de contres maintenant. Je peux pas tourner autour. Il faut que j'y aille. Ok. Il laisse ça résoudre, pourquoi pas. On va aller voir un peu la texture de sa main. Que des landes, j'imagine? Pas du tout. Waouh, ok. Ok. On va dire à ça à plus tard. Non, ça va. On sale pas des masses par ici, Peluja. C'est fine. Non, mais je pense qu'il est assez serein, Viennois. En vrai, il a pas besoin de Divine by Zero. De Divide by Zero. Il savait très bien que qu'importe le board que je faisais, il allait pouvoir massacre. Donc il est plutôt flex ici, hein, il va pas s'emmerder. Hein. Ouais, il a du lourd, ouais, il est bien. Là, je vais le pousser à bouger, sinon je lui rends des dégâts. Il peut toujours pas activer Hall des géants de tempête. Salut Ziobrig, comment tu vas? Et merci Selomasta pour le Twitch Prime, merci beaucoup.
Eh ben écoute, très bientôt, Selomasta. Bah déjà, quand j'ai des trucs à ouvrir, c'est vrai qu'il y a des périodes où j'ai beaucoup de trucs à ouvrir, d'autres où bah, je me calme un peu et j'ai beaucoup moins de trucs à ouvrir. Mais là, c'est bientôt les vacances. En ce moment, on était un peu sous l'eau, beaucoup de projets, beaucoup de fatigue accumulée, donc j'ai pas fait beaucoup de streams supplémentaires. Mais là, avec les vacances qui arrivent, je vais vous reproposer des petits stream collection, chill et compagnie. Avec grand plaisir, vraiment. Ouais, ok. Je vais peut-être lui représenter un... Comment ça s'appelle? Eh non, ça marche pas, ça poulet. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce que tu fais, hey? Oh, ça marche pas, ça. Hein. Il faut que t'aies moins de cartes que moi. Hein. Je voulais lui représenter un... Snake Skin Veil, pour le coup. Eh, c'est un peu caca là ce qui vient de se passer, Ziobrick, j'avoue. C'est vrai, t'es prêt, Ziobrick? Ah, ça fait plaisir, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Le but c'est vraiment de passer un bon moment. Yes. Yes, 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 elle était mal partie cette game. Hein. Il a presque Shem Concide, on dirait, tu sais. Merci beaucoup. Oui, non, j'ai déjà remercié Selomasta, pardon, j'ai cru que c'était un nouveau sub. Salut Nero. Il y aura un coverage de votre part, pas le samedi mais le dimanche, seulement pour le top 8, Ziobrick. Aïe aïe aïe, Lancelot, tu pourras pas laver la plèbe du coup, en tant que porteur d'Ambercleave. Est-ce que je veux une classe paladin moi? Même pas sûr. Ça c'est bien contre l'ult. Non, je crois que j'aime bien la gueule qu'a mon deck dans cette... dans cette config, dans cette configuration. Ouais, tu te serais fait soulever par les viewers, Lancelot. Ne sois pas si, si présomptueux. Ok. Pas mal ça, petite Talia. Petite Talia T2, ça fait plaisir. La mododro. La mododro, c'est quoi? C'est une draw spécifique au modérateur. C'est genre entre la draw de la plebe et la draw de la Rivals League, mais bien en dessous de la draw de la MPL. Ou alors non, c'est à peu près la même draw qu'un streamer. J'avoue... Ah putain, mais il a toujours Jouari lui. Oh, quel enfer quoi. Ah, si j'avais réfléchi un peu plus, j'aurais joué ma prédicatrice. Ça semblait être un meilleur play. Bon, c'est pas très grave. C'est une streamer draw, mais elle est pas filmée. Ok, ah lourd. C'est-à-dire que tu y as accès même quand tu streames pas? Bah, c'est juste un upgrade en fait. C'est un upgrade à la streamer draw. Pas mal du tout. Moi j'ai pas la streamer draw, j'ai la streamer curse. C'est-à-dire que dès que je stream, mon deck me chie dans les bottes. Je peux prendre l'old, c'est trop problématique. Donc on va retarder d'un tour. Il est pas rapide en face, hein. Putain. Je pense, Lancelot, que c'est ce qui va se passer, ouais. Fait plutôt l'aspirante, on met pas les tous les œufs dans le même panier. Ok, on garde 3 de patates, why not.
Ça, c'est fort. Hein. Une dissonance entre Twitch et Twitter. Non, pas tellement au final. Pas tellement, puis de toute façon, quand je poste sur Twitter, j'ai mon profil. J'ai toujours mon profil untaped avec les différents winrates, histoire de pouvoir apporter un petit peu de fiabilité au résultat, quoi. Ben, écoute, docteur, je pense que c'est un signe un peu de frustration quand l'oppo est un peu lent. C'est vrai que j'ai l'impression de lui dire hop, hop, allez, tu te bouges. Mais c'est peut-être chiant pour vous d'ailleurs à l'oreille. Vous l'entendez quand je clique souvent comme ça? C'est peut-être. Peut-être relou. Je peux le concevoir. Non, non, ça va arriver à dégager ça. Untap. Ok, nice. Bon, qu'est-ce qu'on récupère là contre lui? Une Redan. Une Captain. Une Captain. Je peux pas attaquer parce que sur le moindre spell, un moindre scruté, il peut générer un 1-1 et bloquer avec prédicatrice et c'est pas ouf quoi. Ok. On va essayer de jouer correctement. On va attaquer avec notre maître chasseur grison. Très bonne carte ça d'alchimie. Hein. Genre j'aime bien comment elle est designée, elle est intéressante, elle te donne des patterns de play cool, elle te donne des coups de deck building intéressants, donc c'est vraiment une bonne carte quoi. Mais non Kalong, je suis sûr que non. Et on va aller voir ce qu'il a dans sa mimine, ça me laisse effectivement le mana bleu dispo, donc c'est très bien. Oh, il est d'une lenteur. Hey, c'est une catastrophe. S'il te plaît, hey, fais quelque chose. Sauve-nous. Libère-moi de cette game, moi et mon chat. Nous n'en pouvons plus. Wacon. Ok, il va générer des petits kimchi, mais bon, on s'en fout un peu. Avec Entrave Sort, on passe dans les airs. Ok, fine. Très bien, très bien. Waouh, ok. Alors, lire, c'est un vrai problème. Et en même temps, on a botte dédaigneuse pour respecter ça. Ouais, je pense qu'il faut enlever l'ire parce que quoi qu'il advienne, il peut jouer les autres spells. Il peut triple block s'il le souhaite. Ouais. Et nous, faut que Captain fasse un gros travail le tour d'après. Mais elle peut faire un sacré travail. Hein. Ma Captain Inquisitrice. Là, ce qui serait intéressant, ça serait qu'il top deck un truc faible. Genre un land, ça serait parfait. Non, pas une deuxième envoûteuse, quoi. Please, le jeu. Un peu de respect, quoi.
je déclare une phase d'attaque maintenant, il est obligé de m'en donner une ou alors de prendre 3, parce qu'il peut pas bouncer ça. Je crois que c'est pas déconnant. Ok, il a pris 3, ça c'était gratuit. Et on est parti, Captain Inquisitrice, let's go. Je crois que ça a plus trop de valeur maintenant au point où on en est dans la game de taxer ses ressources de 1. Il a globalement de quoi un peu tout jouer. Ok, il trouve encore des manas. On va dire non à ça parce que c'est vraiment un gros problème. Et nous maintenant, on va continuer à attaquer tranquillou avec Captain Inquisitrice et notre grotte du dragon de Givre. Et ça devrait le faire. Là, il va pouvoir la bouncer, je la rejouerai, je peux quand même jouer mon aspirante. C'est pas si mal. Je peux pas attaquer avec Prédicatrice parce qu'il peut bouncer juste... on va dire mon dragon par exemple, et chumper la prédicatrice. Voilà, c'est ce qui était attendu. As expected, comme on dit. Il temporise bien le bougre, hein, cela dit. Hein. À un moment, il va piocher des dingueries. Hein. Ça peut être une aurore briscoque, ça peut être une deuxième lyre. Je suis quand même un peu maintenant soumis à la variance de... du top deck en fait. Même les noms des cartes ne sait pas les lire. Ah bon? Pourquoi j'ai dit quoi? Grotte du dragon de givre. Bah si, c'est juste que j'ai dit givre parce que c'est rigolo. Comme les gros serpents qu'on collectionnait quand on était petit dans la cour de récré. Ultime. Ouais. Il commence à faire trop de tokens le monsieur. Et surtout à aller creuser un peu trop loin dans son deck. Les 6-4 pour 6, exactement, Claudiuple. Avec les vieux signes too much de la 5ème et de la 6ème édition. Je crois que la 4ème avait pas de signe. C'était vraiment moche, quoi. Les bords blancs, tout ça, tout ça. Mais c'est la nostalgie. C'est le Magic d'il y a 20 piges, quoi. Plus même. Ouais, son deck il est vraiment ultime contre les stratégies créatures d'énigmes. C'est dur, hein. C'est très très dur. Mais bon, c'est sa magic aussi. Hein. Les bords blancs c'est salissant. Ouais, elles étaient toutes pleines de crasse en fait, des espèces de points noirs là que t'as sur tes sleeves à force de faire des tournois avec. Bah, ouais, sur les bords blancs c'était tout pourri comme ça quoi. Aïe 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 aïe, c'est là où le bal blesse. C'est que lui il trouve des. Genre son top deck c'est un piocheur. Notre top deck c'est un land donc. On ne fait pas le poids ici. On peut le tuer en deux tours. On peut le tuer en deux tours. Admettons qu'il ait rien. On peut le tuer en deux tours. Il va falloir chumper. Il faut chumper ici. Double bloc là. Non, on tue pas en deux tours du coup. Et ouais, s'il attaque avec tout, on tue jamais en deux tours en fait. Pas du tout en deux tours. Là il met 10 là. Ouais j'en aurais envoyé un de plus mais bon, why not. Salut Darth Revan, comment ça va?
Malheureusement, on va pas gagner cette game. On va lui dire bien joué. Il nous aura bien cassé les bonbons, lui, mais bon. En vrai, son deck, c'est mono anti-bête, quoi. Il n'y avait pas de raison que ça suffise. La crève, ah ouais? Bah écoute, rétablis-toi bien. Putain, je sais plus parler d'Ars Revan, hein, pour le coup. J'espère que ça a vite passé. T'as pris froid ou genre on te l'a refilé? Je crois qu'il va être l'heure de changer de musique. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas mise et je pense qu'il faut revenir sur les bases. Ça va nous aider à gagner des games, vous allez voir. Non, c'est pas Donkey Country 2, c'est Donkey Kong Country 1 Minikea. Mais oui, un classique, évidemment. Obviously un classique. Je vais baisser un peu le son, c'est peut-être trop fort pour vous. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, je baisse un peu. Je sais que Clauduple déteste cette musique, je suis désolé. Ça tient bien le board face à Talia, c'est vachement bien designé ça pour nous enquiquiner en fait. Ok. T'aurais pu vérifier, ouais, c'est pas très grave, Minika. J'ai aussi le jeu, ouais. Ah, j'adorerais un Lancelot. Hein. Franchement, je suis nostalgique de ces moments où on écoutait des OST épiques de Naruto, Bleach, DB et My Hero Academia. Alors, ça s'y prêtait très très bien, notamment à du stream. Et en fait, je peux pas, quoi. Je vais me faire claim, c'est juste pas possible. Je vais me faire claim, ils vont fermer ma chaîne, voilà, c'est mort quoi, on perd tout. Et en même temps c'est compréhensible, c'est histoire de DMCA, tu vois, je vais pas rentrer dans le trop profond dans le sujet parce que déjà je le maîtrise pas, mais c'est très chiant pour moi qui avait l'habitude de mettre ces sons là et on y prenait beaucoup de plaisir. Et en même temps c'est tout à fait compréhensible que les gens qui ont créé ces musiques là ne veulent pas que les gens les utilisent sans que ça leur rapporte le moindre centime, quoi. Alors que ce son, ça va. Bah, ce son, en fait, c'est un jeu vidéo. Donc, ouais, c'est friendly avec Twitch. Ok. Tu peux pas faire ça, The Curfix, hein. Exiler une carte de créature depuis votre main si vous faites ainsi. Tu peux pas faire ça, tu peux pas exiler les deux cathares pour avoir deux inquisitrices. On va jouer en main phase 1 parce que si on trouve un cathare typiquement. Oh, ce Reda n'est pas si mal non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il peut faire Briscoq. Donc Reda, on s'en fout. Ouais, si on trouvait un... C'est vrai qu'on avait plus de cathare brutal, donc on risquait pas de trouver grand-chose. Ouais, bah prédicatrice, hein. Prédicatrice, ça va nous permettre de rentrer les points. Donc on a bien fait de le faire en main phase 1.
Bah ouais, Pépi, on est sur une plateforme de streaming de jeux vidéo, donc ouais, tu fais pas clem pour les musiques de jeux vidéo. Ouais, le mec de Dragon Force qui se fait claim sa propre musique, c'est incroyable. Mais c'est parce qu'il avait juste pas les droits de sa propre musique, ça arrive à beaucoup d'artistes en fait. C'est les maisons de disques qui ont les droits et pas les artistes eux-mêmes. Ça passe easy Dars Revan. Ok, on va prendre ce Redan. Ça peut peut-être nous retarder d'une horreur, on sait pas. S'il a pas de burn down the house, on devrait pouvoir rentrer un maximum de points. Le truc, c'est que je peux pas tourner autour là. Ma main, elle ne bat pas burn down the house, donc. Allons-y gaiement! Salut Corentin. Conjurez une réplique de cette carte dans votre main pour chaque carte exilée depuis votre main de cette manière. Tu peux pas le faire sur plusieurs cartes de ta main, The Curlix. Ah, elles sont incroyables ces musiques Xeobric, on est tout à fait d'accord. Ouais, si là on prend Burn Down the House, c'est la catastrophe. Mais bon. On va bien voir. Hein. Pourquoi pas, Pépi, pourquoi pas, ouais. Oh putain, il a top des Kélir, quoi. C'est échec et mat. Il peut la sauver avec. Ouais. Bah ouais. Bah oui, évidemment. Non, c'est bon, on va l'avoir. Regardez comment on va l'avoir. On va y mettre un petit coup de Qatar. Et en réponse à notre petit coup de Qatar, il va vouloir faire espoir volatilisé sur sa Lyre. Et moi, en réponse, pof, posture valeureuse. On est bon. On est bon, on est là. Quoi? Pourquoi il le fait pas sur sa propre lyre? What? Mais je vais juste la rejouer. Attends, qu'est-ce qu'il me chante, lui, celui-ci, là? Ah, ils sont perpétuellement... Oh, l'enfer! Ouais, je vois le délire. Ok. Non, ça passe pas, parce qu'en fait, il coûte un mana, ces trucs-là. Ils vont encore une fois les bouncer. C'est terrible, hein. Terrible. Terrible. Bon, pour cette mana, il peut faire sortir des mascottes. Non, je crois pas, Viennois.
En plus, il a fallu. Le comble, c'est qu'il a trouvé distorsion temporelle dans sa clé des archives, quoi. Quel putain d'enfer. On est encore vivant. Voilà pourquoi clé est broken. Non, tu peux pas prendre cet exemple-là, vers la street. C'est pas obligé de te trouver ça, donc... Et ouais, putain, je suis con, j'aurais dû inverser, parce que là, du coup, il pouvait... Je pensais pas qu'avec Divide by Zero, il pouvait reprendre sa propre lyre. Ouais, je suis un peu échec et mat, ici. Si jamais il fait lire, il a rien à rejouer ici. Non mais il y a plein de bonnes cartes à trouver avec les deux archives, mais le problème c'est que certaines bonnes cartes, elles le sont de manière contextuelle. Genre un tour supplémentaire, quand t'es derrière, ça sert à rien par exemple. Tu vois, alors qu'au final c'est une carte qui est très puissante quand t'es devant ou quand t'es à l'équilibre. Donc c'est bien, mais... C'est un caillou à 4 qui rentre de 2 quoi. On va dire que trouver l'archive c'est presque secondaire. Bon, bah comme ça au moins. Il avait le burn down the house. Je crois qu'on va faire ça. On va upper la classe. Ça, ça prend pas Divide by Zero. Je tue en deux tours. Il y a un plan. Et si jamais il rejoue lire, pour l'instant, il a rien qui permet de bloquer ça. Ok, on n'est pas si mal. Non mais je pense que c'est pas broken du tout, clé des archives. Je trouve que c'est sympa comme carte, mais que c'est loin d'être broken. Je crois qu'il est en train de chercher des cartes parce qu'il est échec et mat. Ça me ferait fort plaisir. Oh, ben comme ça au moins, on a gagné, tout va bien. Putain, c'est dur, hein, franchement. Entre lire et l'ult, franchement, les drops 5 du format pour les jeux créatures, c'est une catastrophe, hein. Je suis d'accord avec toi, Claudiuple. Je suis obligé de garder un certain nombre de tours 2 pour commencer à mettre pas mal de pression, avoir une bonne vélocité quoi. Ok, fine. Ouais, je suis d'accord, Katendit. Le fait que tu puisses rejouer les archives de ton cimetière quand t'es sous lire ou quand t'es ou quand t'as des effets de redondance avec ton cimetière, c'est pas mal. Le fait que les archives soient aillent dans ton cimetière, un peu comme le fait de conjurer une carte, ça t'en donne réellement une copie. C'est-à-dire qu'en fait, théoriquement, tu joues avec un deck qui a plus de 60 cartes
Et ça, effectivement, je trouve ça plutôt fort, mais c'est pas cassé, quoi. On est vraiment pas sur un truc cassé. Ok, on a la bonne curve, Talia dans Entrave Sort d'élite. Ça peut suffire, ça peut ne pas suffire, mais ça peut suffire. J'accepte de prendre Jewelry Disruption dessus et de passer Entrave Sort d'élite le tour d'après. Je pouvais pas tourner autour ici. Ok, ça c'est plutôt pas mal fort, ça vient vraiment démolir Talia, ça c'est incroyable. Genre ils ont vraiment créé des cartes spécifiquement avec ce qui se passait en standard. Ouais bah... Ouais on va aller voir ce qui se passe dans sa main je pense. Ok. Découvrir la formule. D'accord. Non mais c'est une bonne carte, mais c'est pas cassé quoi, vers la street, c'est ça que je veux dire. Il pourra jouer ça dans ça. Le but ça va essayer d'être de l'en empêcher, parce que ça c'est vraiment très puissant. Ok. Je crois que c'est pas déconnant de faire un entrave sort d'élite. S'il trouve pas ses landes manuellement, il risque d'avoir du mal à caster ses cartes. Il a trouvé des landes, il est bon. Il est très bon le bougre. Oh, ça c'est parfait. Ça l'interdit vraiment d'espérer un jour pouvoir jouer ses cartes. Ok, ça va le faire. Oh, on l'a giga taxé le mec. On l'a full taxé. On l'a démoli. La démolition. Eh ben, c'était pas facile. Hein. Bon, après, je savais qu'avec ce deck-là, j'avais plutôt un bon match-up contre Izette. On a plein de cartes blanches naturellement puissantes contre ces stratégies-là. Ouais, des Kursaf, direct. On l'a taxé à fond, le gars. Je peux comprendre à Asulf, cela dit, tu peux largement jouer tes decks de standard en alchimie. Ça pose vraiment pas de problème, il reste tout à fait fonctionnel. La démolada. On l'a démoulé. Notre oppo était un cake. Ouais, le power level est ok. Si jamais tu veux une idée un petit peu de decklist qui sont jouables en... En alchimie et qui viennent du standard, je les présente demain dans mon point métao qui sortira à 17h à Asulf. Ouais, grave Dorinac, ça va. Ça écoute du très bon petit donkey, ouais. On va manquer d'un land, mais on commence pas, on a nos couleurs, je pense que c'est fine. Salut à toi Taramis. Incroyable que quelqu'un vienne me dire que ce dragon est trop mignon. L'entièreté des gens lui chie dessus, je suis très heureux que tu le trouves mignon. Je me suis habitué à lui, moi aussi. Mais putain, mais ils jouent tout ça, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous le dis, ils sont tous mythiques les gens qui jouent ça, regardez, il est diamant 1 lui. Oh, je vais lui briser sa streak. Lui, je vais lui briser les couilles, tu vois. Il va pas passer mythique à cause de moi. En même temps, vilain, ça va, t'as joué ça en standard pendant des mois, laisse-nous tranquille.
Barrez-vous avec vos isettes, là. Oh. Non, mais oh. Ah, je sais pas si je veux pas d'abord... Non, je m'en fous. Je veux pas Redan maintenant. Je Redanerai plus tard quand il aura... Quand il arrivera dans les tours où il est capable de jouer ses spells chers. Ouais, j'ai bien fait. Je préfère prendre Johari Disruption sur ça. Non, j'ai pas d'intérêt à lui donner. Enfin, ce trade-là ne m'inspire pas. Ah, j'ai pas le quatrième land. D'accord. Ouais. Bah écoutez, Redan, let's go. On est d'accord, Alistair. Non, mais je suis content de l'entendre. J'avais l'impression d'être seul. Non, le jeu, donne-moi ce putain de land. S'il te plaît. J'en ai besoin. Vite. Il a trop de mana là, c'est trop tard. C'est trop tard, je pense. Team Crapaud pour ma part. T'as le droit de pas avoir bon goût, Viennois, ça arrive. Cardboard Live, il a pas un souci, mais je crois que les cartes alchimie sont pas encore implémentées dedans. Sauf ETD. Merci beaucoup, Bastien PRTS. Ah, mais c'est Sébastien, mon petit frère. Je demande parce que je me souviens plus si c'est le bon pseudo. Merci pour le sub, en tout cas, pour le Twitch Prime. Ah, salut Bastien, comment tu vas? Non, Claudup, je fais pas le Felicitation Time. Il y a ma famille dans le chat. C'est mort. Récupère tes 20 000 points de chaîne. Ça dégage. Oh, salut Didas. Merci beaucoup pour les 10 subs. Merci énormément. N'hésitez pas à remercier Didas, tous ceux qui ont été subs à la chaîne. Merci énormément. Et félicitations, si je te vois sur ce chat, c'est que tout va bien, j'imagine. Tu veux peut-être nous partager une nouvelle, quelque chose. N'hésite pas, hein, Didas. Bon allez, 3 points avec Redan. Félicitations Didas. Il l'a fait. Elle l'a fait. C'est ça qui est plus important. Gros GG. Je veux un maximum de GG dans le chat pour Didas. Big GG, futur papa. Pas futur papa, papa du coup maintenant, mais qui était déjà papa, donc habitué à la paternité, j'imagine. Félicitations en tout cas. Et merci beaucoup pour les subs. Bon, comment on fait pour pas se faire démolir par lui là? Ça sent quand même la démolie. La démolitionne là. Hein. Je crois qu'il faut que j'essaye de chatter sur Inquisitrice. Ok, nice.
Ah, nice! On va pouvoir remettre ça. Non, quoi qu'on remet même pas ça à plus tard. Bon, oh pute. J'allais dire, on va pouvoir aller voir ce qu'il nous propose, le mec, mais. Mais là, c'est dur, hein. C'est une catastrophe. L'entrave du concède. Je vais pas concéder, hein. Attention, je vais pas concéder. Je m'avoue pas vaincu. Mais j'avoue que sa main, elle est d'une gloutonnerie. C'est. Le mec, il s'est empiffré de value, quoi. Il va exploser, je pense, Triosk. Un peu plus de value, il explose. Deux cartes en main en plus, il saigne de partout les trous, je pense. C'est trop. C'est trop. C'est too much. Il fait pas de piou-piou, là il va en mettre un en fortel, le tour d'après il va pouvoir le jouer en fortel, il aura du coup pris 3 tours supplémentaires, il aura 2 piou-piou. Ouais. Ouais, avec lire avec lire ça va pas le faire quoi. Aïe aïe aïe, il vit dans l'opulence hein, Triosk, hein. Putain, peut rien lui arriver à lui, hein. Sans déconner quoi. Est-ce qu'on a le droit de subir ça, très honnêtement? Est-ce que c'est normal? Dites-moi un peu. Ah, c'était ridicule ce qu'il avait en main. C'est. Ok, pourquoi pas. Viens, on se serre la main, on la joue pas, pas besoin. Quand on dit que le souci c'est Izzet dans son ensemble. Moi je ne cesse de vous le répéter, Fizune, jouer Izzet, hein, même en alchimie c'est fort. Non, Claude Duple, ça va. Et je refuse. Est-ce que tu m'as déjà vu refuser un Félicitation Time? Est-ce que exceptionnellement, pour fêter l'arrivée de la petite Léa, la fille de Didas, et pour fêter l'arrivée de mon petit frère sur le chat, est-ce qu'on pouvait pas dodge le Felicitation Time? Est-ce que c'était pas important de garder toutes mes facultés vocales, verbales, pour pouvoir féliciter Didas et saluer mon petit frère? Je pense que s'il y a bien un moment où j'ai le droit de dodge, c'est maintenant, je pense. Après, ce qui est malheureux dans cette histoire, et quelque part c'est une belle vengeance, parce que je sais que tu es celui qui paye le plus de Félicitation Time, ce qui est malheureux, c'est que tu as perdu tes points, je crois. Et qu'ils ne reviendront peut-être jamais. On va mettre du bleu, parce qu'on n'a pas de Skyclave apparition. Je valide si tu acceptes de le faire pendant le top 8. Ouais, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je le ferai pendant le top 8. Sans souci. C'est signé. C'est bon. Tu sais quoi, grand prince, t'auras même pas besoin de payer les 20 000 points de chaîne, tu viendras juste le préciser dans le chat. Il m'en reste 148, donc c'est pas fini. Claude Duple, il vient juste pour me ridiculiser à chaque fois. Oh non! J'ai pris un mana bleu, j'ai pas pris un mana blanc avec ça, mais quel imbécile! Ah bah j'ai l'air fin moi avec mon aspirante dans ma main là. Si on veut gagner contre Izzet, spoiler, faut pas misplay. Ils font tous ça tour 2, hein. Presque énervant. Hein. Allez, zou. On va perdre quelques dégâts à pas avoir mis aspirante dès le tour 2. Hein. C'est un vrai problème, putain. Aubaine inattendue pour 2 mana, c'est complètement dégénéré quoi. C'est idiot ça, hein. Vraiment. Je pensais pas que c'était aussi fort. Je sais que pendant les reveals, je l'ai vachement, sous-estimé, mais pff, dans l'application, c'est vraiment très très bête. Parce que le pire en plus, c'est comme tu gardes perpétuellement ta diminution, quand t'es sous lierre, bah tu rejoues ta carte pour 2 mana quoi. C'est carré solide, hein. Pas de chichi quoi.
Mais non. Oh, j'en reviens pas. La dernière carte de sa main, c'est Jewelry Disruption. Non, mais c'est pas possible. Moi, je suis en train de me faire caguer dessus, littéralement. C'est un truc de fou. Pas un rire moqueur, un rire nostalgique de soirées alcoolisées lors desquelles je faisais pari avec des potes. Ça me fait plaisir, Claude. Oh! Mais le chatter, non. Le chatter sera puni? J'avais pas d'expression qui fitait avec ça. J'allais dire le chatter chaté, mais c'est pas possible, ça ne marche pas. Le chatter châtier, peut-être. Parce que mon adversaire, au moment où je captain Inquisitrice, il a top decké une Jewelry Disruption, ce qui me mettait dedans. Mais j'ai la chance, l'outrageuse chance et le culot de repiocher une captain. Donc ça peut peut-être le faire. Non, ça va être le chatter châtier, je pense. Team Croquis, il joue en BO3 viennois. Pour moi, il n'y a pas débat. Plaît-il ? Suivant. J'ai pas compris. Quoi ? Attendez, je suis peut-être fou. Pourquoi ma Captain Inquisitrice a pas proc là ? Le coup dur. J'ai fait une bêtise ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Tac, bug. Bug. Non, il m'a pas exilé de cartes. J'ai toujours 20 cartes ou plus entre ma main et ma bibliothèque. Il s'est passé quoi là ? Moins de 20 créas ? Mais comment ? Comment je peux avoir moins de 20 créas ? Ah, mais MTJ vient de. Littéralement de racler sa godasse sur mon visage là. Et bien sûr que ça marche. C'est le but du deck, c'est l'interaction principale de Scali. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Je ne comprends pas. Ça m'a déjà fait ça. Retente-le au cas où. Ouais, je comprends pas tout à fait pourquoi ça ne marche pas, mais bon, je suis dans l'incompréhension, mais moi non plus. On est là, on est sur une enquête, on n'est plus dans une game, on est vraiment en train d'enquêter, vraiment. Ça me fait littéralement perdre la game, de toute façon. On retente ? On est parti ? Si jamais il nous contre pas, évidemment. Il va contrer, il est pas drôle. Non, 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 expérience sociale. Mais putain, mais merde! J'ai pas 20 cartes entre ma main, mon cimetière et... Mais attends... On a bien ri sur ce fail. J'aimerais bien gagner la partie, moi, Fizune. 1, 2... 3... Mais putain, mais c'est nul à chier, c'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de devenir zinzin, vous rendez-vous compte? Non mais on va aller compter, on va prendre notre deck, on va le sider et on va voir si on a moins de 20 créas. Mais je crois pas. Un bug de plus pour les devs. Ouais, c'est pas la faute des devs, après eux ils travaillent avec le temps qu'ils ont à disposition hein, pour le coup, mais... T'as cassé le jeu. Bah je sais pas, ouais. Mais du coup moi ça me casse la gueule, tu vois. Quand tu as side, peut-être. Ouais, mais ça voudrait dire que j'ai rentré tellement de cartes que j'ai plus 20 créas dans mon deck. Ça me paraît très fou. J'en ai qu'une seule en exil, Pépi. T'as enlevé beaucoup de créas, mais même en en vend beaucoup de créas, j'en ai 32 de base des créas. Le plugin donne 16 créa. Ah, mais je peux aller voir, t'as raison. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 17, 18 créa dans mon deck. 18 créa dans mon deck.
19, 20, 21, 22, 23. Non, c'est pas possible, j'ai 23 créatures là encore, entre mon cimetière et mon deck. Surtout que le premier a fonctionné, mais pas les copies. Mais oui, c'est pas normal, c'est un gros bug. Il faut retirer du compte tous les T2 et T3 qui sont sur le board et qui du coup ne sont pas dans ta main, ta bibliothèque ou ton cimetière. Ah, ça vient peut-être de là dans ce cas-là. Ok. Je vois. Mais le plugin, il compte pas les cartes alchémie, donc... Salut Julien, ça va et toi? Écoutez, je pense qu'à cause des créatures sur le board, ça devait pas marcher, mais ça me paraît quand même étonnant. Parce que sur le board, quand ça a pas marché, il y avait que la captaine. Tu vois? T'en avais sur le board et en exil. Bah sur le board, non, j'avais la captaine et Glasspool Mimic qui était une captaine, et en exil, j'avais un Edith Spellbender. Donc ça veut dire qu'il faut que tu retires 3, seulement 3, au compte après side. Donc là, on va compter, on a combien de créatures? On en a 29. 29. On va en rentrer 1, 2, 3. Donc on passe à 32. Mais on va en sortir 1. On va en sortir 4. 5, 6. 7, 8. Ouais, on est à 24. À 24. Et sauf que 24 moins 3, on est toujours à 21. Donc je vois pas pourquoi ça a marché. Je vois pas pourquoi ça a pas marché. Banizette, on en a gros. Non, mais bon, Lisette d'avant, là, on l'a battu. Hein. Là, c'est celui-là qu'on a pas battu, mais bon, je sais pas si on a fait les bons calculs ou quoi. Les captaines ne comptent pas, elles coûtent 4. Si on veut, avec une valeur... Ah, les captains ne comptent pas, c'est ça l'erreur dans la matrice. Vous avez raison. C'est Yoki Elka qui a raison. Elle ne compte pas dans les 20 parce qu'elle coûte 4 mana. Donc le compte est bon, c'est normal que ça ait pas proc. Waouh, c'est la première fois, pourtant j'en ai fait des games. Hein. J'ai déjà quelques heures en alchimie. J'ai beaucoup joué ce deck là, je suis monté diamant avec. Ça m'est jamais arrivé de pas proc. Lire les cartes. Ouais, non, mais d'accord. Là, c'est pas que lire les cartes. C'est compter toutes les cartes de ton deck à un instant T, quoi. Ok. Bon, bah, fine. On va tester ça vite fait. Ça vous parle ou quoi? Moi, ça me parle. Dès qu'il y a Omnat, ça me parle. Après, je pense qu'Omnat, malheureusement, il est quand même un peu faible. Mais on va tester. T'inquiète, Lancelot. Je lis toutes les cartes de mon Atraxa. Notamment quand je joue contre ta Adlize. On a quand même au moins 50% de chance de trouver un land. Je crois que c'est gardable. Il y a 32 lands, je crois, si tu comptes les dual face land. Donc ça devrait aller. Moi, je prends 2-0. Oh, mais quel culot, quoi. Ce qu'il faut pas entendre. T'as pas de verre? Mais si, regarde, ça c'est vert. Greg CA.
Ok. Bah, on s'est jamais affronté en compétitif, Lancelot. Non, mais lui, il vraiment déforme la réalité. Il manie le temps. Mec, c'est Teferi, quoi. Il manie les mots et le temps à son avantage, quoi. Ce qu'il faut pas entendre. Moi aussi, hein, je suis undefeated contre Shuta Yasuoka. Ouais, j'ai jamais joué contre lui. Right on time. C'est vraiment le pire, quoi. Alors bon, comment est-ce qu'on gère les dingueries de notre adversaire, là? Comment ça nous posait des problèmes, celui-ci? Est-ce que je vais enlever ce Omnath? Ouais, je vais aller voir ce que j'ai dans mon side et au pire je reprendrai Omnath. On va garder le Omnath qu'on a ici. Il va falloir trouver des landes, hein, sinon on va peiner. On va vraiment galérer. Il est vraiment fort ce deck clair. Hein. Genre ça, c'est vraiment pas une demi-carte. Il y a trop de textes positifs sur une carte qui est 2-4 vol pour 3. Il va nous rentrer 8 points dans la trogne. Ouais, ils ont toujours la bonne sortie, ils sont juste très très forts. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Et je crois qu'on est mort s'il a moyen de gagner le moindre PV. S'il a n'importe quelle bête à jouer qui est un clair, il passe à 27, il met plus 2, plus 2, je peux en bloquer qu'un, il nous met 4 ici. Donc bon, ça sent pas très très bon, quoi. C'est pas un clair, mais il va piquer ça. Voilà. Fine. Tu penses que c'est pas un tier 1, Fizune? Franchement, c'est assez vénère, moi, je trouve. Ok. Contre tous les decks contrôle, c'est une purge? Je sais pas, parce que maintenant, en fait, ils splashent du bleu pour jouer en Esper, ce qui leur permet d'avoir des bottes dédaigneuses dans le side. Ce qui fait que les decks contrôle, quand t'as accès à de la défaut, c'est à des gobelins, des duress, des strokes. Bon, les decks contrôle, tu peux les battre, quoi. Je sais pas si le deck est si mauvais que ça. What? Ah putain, mais non, mais quel connard! Mais évidemment, en fait, quand tu commences, elle arrive taper. Je suis bête.
Je suis bête, je suis pas concentré, pardonnez-moi. Eh ouais, mais ça change tout, putain. J'ai retardé d'un tour un cobra. Du coup, j'ai pas refuge Felidar ce tour-ci. Quel idiot, quoi. Quel zozo, même, si je puis dire. Salut, Olérias. Ça roule, et toi? Très, très bien. C'est vrai, Lancelot. Il y a un vrai côté... Mortal Kombat, époque Super Nintendo aussi, hein, vraiment les vieux Mortal Kombat. Et c'est très stylé d'ailleurs, et ça a une vraie patte. Je crois que c'est intéressant de tuer ça maintenant. On pourra Vrenen 7 le tour d'après. Et on commencera à être pas trop mal. Refuge Felidar et Vrenen 7, c'est une carte qui combattent bien ensemble. C'est pas tellement un problème, ça. Ouais, j'en ai pas besoin pour l'instant de ce... De ce mana. Je suis pas sûr qu'il bloque ici. Je serais très étonné qu'il le fasse. Ouais, il le fait pas. Et puis on pourra fetcher fin de tour si on veut. Pas de vrai au prochain tour finalement. Si avec impact on fera vrai au prochain tour là. What? C'est quoi ça? 2-6, fiche de sur ce joueur gagne. Et vous gagnez autant. 15 points de vie de plus. Ok. Ok. D'accord. Alors je sais pas du tout ce que ça raconte, mais pourquoi pas. S'il a 35 PV quand il tape, il win. D'accord, ok, ok. C'est pas une carte pour le mirror, ça? Genre, c'est vraiment bien, ça? Spoil, il faut le tuer vite. Ah ouais? C'est si rapide que ça? J'arrive pas trop à imaginer. La vélocité du bousin. Je peux juste tuer ça. Ou alors on fait ça, on va sacrifier la... On va sacrifier ça. Ok. S'il décide d'attaquer, on devrait lui rentrer pas mal de dégâts, ouais.
S'il fait Valkyrie into Valkyrie, il tape, il a gagné. Comment ça, s'il fait Valkyrie into Valkyrie? Là, il nous rend 4 points, du coup, on gagne tous les deux 4 PEV, c'est ça? Trop chelou, ce deck, là. Il va te mettre une part, mon pauvre. Mais pas du tout, Lanceau, qu'est-ce que tu racontes? Y'a Canfous qui nous dit qu'il joue Sacrifice, qu'il jouait Sacrifice il y a quelques jours, que c'est un régal, mais là c'est de plus en plus compliqué de jouer ça, j'ai l'impression. Ouais, bah Sacrifice c'est bien quand il y a des jeux créatures, si tu rencontres beaucoup de decks IZ, c'est pas très bien quoi. À ce point-là, Fidouné, non mais vas-y, je suis curieux, hein, pourquoi pas. Genre, je veux voir s'il a raison de jouer ça, ça m'a l'air d'être une boue, quoi, mais pourquoi pas. Je sais pas d'ailleurs comment il a la place dans son deck de jouer à la fois les anges et les bûchers, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ok, il a inversé disparaissant. Oh non, Ah, je suis un con, j'ai plus de basique. Je suis un con, je n'ai plus de basique. Que j'ai pas envie juste de faire ça. Si j'avais su, j'aurais fait ça en pré-combat, mais j'ai un peu ordonné à l'envers ici. Ok, il peut sacrifier Captain pour avoir un autre ange de la destinée. Je sais pas trop si les effets se cumulent. Non, il va chercher un autre capitaine. Oh, c'est un enfer. Aura, oui, ça marche bien aussi. Ah, ça double les effets. Ah ouais, d'accord. Et moi, là, je viens de piocher une carte morte. On va chercher que des basiques avec ça. Quel imbécile, quoi. Bon, spoiler, on va pas la gagner cette game. Hein. Ça a 600 Q en plus, ça prend pas Burn Down the House quoi. Non mais sans déconner. Et ouais, il rejoint un drop 3 qui resacrifiera pour refaire un entrave sort. C'est pour refaire un captain. C'est Value Land. Hein. Non mais
Lancelot, ne soyons pas orientés par le résultat, vraiment, c'est un skill à développer quand on joue aux cartes. Là, faut pas être résultat orienté. Ok, là, ça s'applique spécifiquement bien à la texture de cette game-là, parce que mon putain d'anti-bête de masse, il met que 5 dégâts. Mais c'est une boue, c'est pas une bonne carte de Magic, ça. C'est une boue, effectivement, qui nous éclabousse à la figure, mais c'est pas une bonne carte, quoi. Non, mais j'abandonne. J'abandonne, ça me fait halluciner de perdre contre ça. Aïe, 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 je vais finir par jouer Izette. Hein. Non, mais c'est complètement rincé, quoi. C'est éclaté au sol comme carte. Mais là, spécifiquement, c'était utile, ouais. C'est dur, hein. Franchement, le format, il est dur. Il est vaste, il est varié, il est profond. Il y a plein de choses à faire. C'est pas facile. Moi qui aime bien jouer des jolis decks créatures, j'essaye. Hein. J'essaye, je peine. Je peine à les jouer. Après, tout bas Omnath 4 couleurs. Non, mais je pense que c'est pas très bien Omnath 4 couleurs, Fizune. Mais tu vois, je voulais... Il faut un peu remettre une pièce dans le jukebox pour au moins aller voir un petit peu ce qui se passe. Pour se faire un avis, il faut tester. Mais je pense que c'est pas très bien. Ouais, en vrai... Le deck qui a l'air le plus complet, le plus puissant, c'est celui-là. Non, mais Lancelot, pour 5 mana, enfin, t'es censé passer en dessous de ces decks-là, pas au-dessus. C'est-à-dire que les decks qui vont jouer Burn Down the House, c'est les decks Izzet Turn. Et en fait, Izzet Turn, tu passeras jamais au-dessus. Jamais, jamais, jamais. Là, il est passé au-dessus de Burn Down the House dans 4 couleurs Omnath, mais il passera pas au-dessus de notre deck Izzet Turn, parce que à un moment, tu vas faire Horror Briscoe, pour un mana, je vais bouncer tes trucs, lire, ça va me permettre d'avoir des anti-bêtes, de le tuer. Donc en fait, en gros, il va jouer une bête à 5 mana, qu'à 600 Q, pour se prémunir de Burn Down the House. Mais il sera mort avant, en fait, tu vois. Donc genre sa tech, je sais même pas dans quel match-up tu la veux. Contre Omnath, mais Omnath n'existe pas, donc je sais pas trop. Je pense que le meilleur jeu du format c'est ça. J'ai pas encore tous les canaliseuses. Toutes les canaliseuses, bah j'en ai même zéro, donc ça tombe très bien. Et j'ai plus de joker rare, donc je vais pas pouvoir le jouer directement. Ça m'a l'air... Tu vois, ça m'a l'air tout indiqué que c'est un des meilleurs jeux du format. C'est marqué dessus, en fait. Tu vas pouvoir faire canaliseuse dans Unexpected Windfall. T'as toujours l'interaction préférentielle du standard avec itération zingante. T'as un haute curve qui est dégénéré, notamment avec découvrir la formule. T'as toujours lire avec les... Avec un petit doublon supplémentaire dans le side. Tout ce que j'entends, c'est du sel sortant de ta bouche. Et pourtant, Lancelot, je fais l'effort d'argumenter. Hein. Ouais, ça m'a l'air bien. Azorius peut-être ? Azorius pourquoi pas ? Un peu avec les mêmes, avec le même haut de curve, mais ça te permet de jouer Clé des Archives et Teferi. Purge Divine, ça éclate tous les decks clairs typiquement. Je pense que c'est important d'en avoir main deck. Et voilà, hein. Mono Black, pas si mal si jamais tu rencontres des decks clairs ou des decks créatures justement. Un mix entre la version Sacrifice et la version Mono Noir Neigeuse de Standard. Voilà, avec le petit rideau de Raphaël Lévy, les petits coups de pinceau sanguin. Je pense que c'est des bons decks. Mais moi, j'ai envie de faire marcher ça, moi. Moi, j'ai envie de faire marcher ça. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je vais essayer de faire marcher. Mais bon, je continuerai à essayer de mon côté. Et puis, on se retrouvera vendredi matin pour la Matival. Je jouerai ou ça, si jamais j'estime que ça... Que j'ai réussi à améliorer la decklist si j'estime que c'est viable. Sinon je partirai sur une autre decklist, probablement un peu d'exotisme et encore plein d'autres choses à découvrir dans le format Alchemy. Ça fait plaisir, franchement c'est très très cool d'avoir un nouveau format à explorer. Un peu dommage qu'on ait quand même une redondance avec le standard et que beaucoup de decks se ressemblent un petit peu. T'as quand même la sensation d'avoir les mêmes patterns de play où tu vas devoir essayer de passer en dessous les decks très contrôle et passer en dessous les decks mono noir neigeux. Mais bon, forcément c'est un format parallèle, c'est pas un format différent, donc c'est logique qu'on retrouve à peu près le même gameplay pour le coup. Mais
Voilà, on verra ça lors de la matinale. Je vais vous laisser là, moi, de mon côté. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream. Je vous invite à rejoindre le tournoi ValetPL. Point d'exclamation. Tournoi. Dans le chat, le tournoi est gratuit, c'est un winbox, il y a une boîte. Ah, ça marche pas pour l'exclamation tournoi, pourquoi ça marche pas? Je sais pas écrire. Il y a une boîte de booster Crimson Bow à gagner, l'inscription est gratuite, ça sera en alchimie, ça commencera samedi matin à partir de 9h, le top 8 se jouera le dimanche à partir de 14h. Toutes les infos sont sur le Discord qui a été linké dans nos vidéos YouTube et sur le chat tout à l'heure par Claudup. L'inscription, elle est totalement gratuite. Donc voilà, c'est un tournoi communautaire pour passer un bon moment tous ensemble. Effectivement, la commande est morte. Donc ceux qui s'intéressent à ce tournoi-là, n'hésitez pas à regarder nos dernières vidéos YouTube. Le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. On se retrouve vendredi pour la matinale. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.